Le 12 avril dernier, Buckingham Palace a annoncé que le prince Harry sera bien présent pour le couronnement de Charles III. En revanche, le duc de Sussex sera seul en Angleterre puisque Meghan Markle restera, quant à elle, à Los Angeles, afin de célébrer notamment les 4 ans de leur fils Archie. Malgré cette absence, le roi Charles III a eu une idée pour l'inclure tout de même à l'événement. Comme l'a révélé le Daily Mail, le monarque a en effet ajouté dans le programme officiel de son couronnement une photo sur laquelle apparaissent le prince Harry et Meghan Markle. Il s'agit en réalité d'un portrait de famille, déjà connu du grand public, et immortalisé dans les jardins de Clarence House par le photographe royal Chris Jackson à l'occasion du 70e anniversaire de Charles III, en 2018. Et selon une experte en langage corporel, le cliché met très bien en avant Meghan Markle, au détriment de Kate Middleton. D'après Judy James, l'actrice américaine a reçu un sérieux coup de pouce en étant positionnée comme la star du spectacle sur la photo officielle choisie pour représenter la famille royale lors du couronnement de Charles III. En effet, sur le cliché, on peut la voir rire aux éclats aux côtés de la reine Camilla et la princesse Charlotte, également très souriante, tandis que Kate Middleton semble déclassée. Kate a reçu une rétrogradation de son langage corporel. En se tenant sur le côté de la pose et en regardant vers l'extérieur, elle semble dépouillée de son statut actuel de star de la firme, a rapporté la spécialiste au Mirror, estimant que si c'est Meghan qui attire l'attention ici, se penchant en avant et riant de plaisir alors qu'elle partage ce moment heureux avec Camilla et Charlotte d'une manière très active et détendue. La main tendue de Charles III à Harry et Meghan sa pose suggère la chaleur et le désir de s'impliquer dans la famille, a également expliqué Judy James, avant d'ajouter, le choix d'une pose qui dépeint les membres de la famille royale comme un groupe familial affectueux, aimant et étroitement lié et si éloigné de la réalité actuelle qu'il suggère que Charles soit un adepte de l'aérographe historique et du photomaton, balayant toutes les divisions, les dissensions et l'amertume sous le tapis. Soit qu'il tient à montrer que les Sussex sont les bienvenus au sein de la famille, avec une allusion supplémentaire au fait que la vie n'était peut-être pas si mauvaise pour eux ici, après tout. En effet, aujourd'hui, les relations entre les Sussex et le reste de la famille royale sont très tendues, le couple ayant choisi de renoncer à ses titres royaux et de s'exiler en Californie. Charles III a donc visiblement tenté un geste d'apaisement avec le choix d'un tel portrait.